Je viens à l'instant de terminer la vidéo avec Hortense Archambault. Ça fera l'objet d'une autre vidéo à part, consacrée à la visite de la MC93. Mais ce soir, je reste à la MC93 pour aller voir Danse pour une actrice, Valérie Dréville, entre parenthèses. C'est un spectacle de Jérôme Bell et Valérie Dréville, dans lequel Jérôme Bell a demandé à Valérie Dréville d'interpréter quelques-uns des plus grands solos de la danse qui ont marqué l'histoire de la danse, en tout cas. Toujours dans cette démarche où la perfection de l'exécution n'est pas le propos, il y a pas mal de vidéos sur le travail de Jérôme Bell sur la chaîne. J'aime beaucoup de manière générale. Alors bon, parfois je passe à côté aussi. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça ce soir. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ça. Et c'est bizarre parce que je sens que la réception dans la salle, elle était pas si ouf que ça. Enfin, j'ai senti qu'il y avait des gens hyper mitigés, même à la sortie et tout. Mais alors, moi, je suis parti dedans. C'est-à-dire que dès le début... Non, pas dès le début, c'est faux. Parce qu'il y a un prologue, et après, elle présente le programme, la feuille de salle. Ce qu'il faut dire, c'est que la compagnie Jérôme Bell sont devenus hyper écolo. Et vraiment, c'est sérieux. C'est pas juste un message écologique, ils ont arrêté de prendre l'avion. Donc ça veut dire que Jérôme Bell, toutes ses créations à l'international, il les fait en visioconférence, avec des compagnies qui sont sur place, avec les artistes locaux. Plus personne ne prend l'avion, il n'y a plus rien qui voyage. Et franchement, c'est une décision audacieuse et courageuse, parce que la danse contemporaine, et surtout la compagnie Jérôme Bell, c'est vraiment un rayonnement international aujourd'hui. Et puis, par exemple, pas de feuilles de salle, pas de programme distribué sur papier, parce que la compagnie ne veut plus qu'il y en ait. Et ils s'y tiennent. Et donc c'est Valérie Dréville qui nous raconte la feuille de salle, qui nous la lit, qui nous donne les mentions obligatoires, les productions. Et c'est complètement fou parce que ça marche. Enfin, j'ai trouvé ça bien, alors que c'est le programme. Et puis elle donne quelques définitions, la différence entre danse classique et l'exécution de mouvements pour leur technique. Et puis la danse moderne, l'improvisation. Il y a cette très jolie phrase aussi, dans un des critères de l'improvisation, c'est accepter les incidents et les... Et les petits pâtés. Bon, accepter les incidents et les... et vivre l'expérience sans la juger. Et puis après, donc, on rentre dans le vif du spectacle, le concept donc, que je disais avant la vidéo, qui est que Valérie Dréville va interpréter, et c'est vraiment interpréter, dans toutes les acceptions du mot, des grands solos de la danse moderne, contemporaine. Et ça commence, Isadora Duncan, sur le prélude numéro 7 de Chopin. Il y a un truc un peu, c'est un peu violent de dire ça, mais c'est vrai, en même temps, c'est ça qui fait toute la beauté, un peu ridicule. Mais de ce ridicule vient beaucoup de tendresse. Ouais, de tendresse. Et je la trouvais super belle quand elle dansait sur Duncan, après Café Muller de Pina Bausch. Et puis, elle va faire un truc que j'ai trouvé magnifique, il y en a plusieurs, c'est de décrire des vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'elle regarde une vidéo sur son téléphone, nous on ne voit pas la vidéo, elle est assise face à nous et elle nous la fait vivre par ses mots, par son talent d'actrice, et sur Chantons sous la pluie, la scène de Gene Kelly dans le film. I'm happy again. Mais là on embarque, c'est hyper ludique, c'est très enfantin cette façon de vivre cette scène, c'est très descriptif. Et puis il y a aussi, un moment elle fait du Claude Régis, 10 minutes quasiment dans une pénombre quasiment complète, une improvisation sur Claude Régis, puisqu'elle met un chronomètre dans la lenteur de Claude Régis. Donc c'est une citation, en fait, hein, ce qu'elle fait. Et je me suis perdu là-dedans. Et pendant ce spectacle, je pense que j'ai passé... Chaque scène m'a amené dans des imaginaires. Je revenais sur le plateau, je revenais dans cette salle de la MC93 à chaque début de numéro, et au bout de 30 secondes de numéro, j'étais parti. J'avais aucun problème avec ça, parce que je sentais très bien que c'était là qu'il fallait que j'aille, que j'avais pas besoin de rester sur scène avec elle. Et je pense que c'est pour ça que c'était si beau aussi. Et je pense que ça correspond en plus à ce qu'il dit dans le programme. L'imaginaire du performeur est beaucoup plus important. Et en fait, en croyant à son imaginaire, à elle, elle convoque aussi notre imaginaire, et d'un coup, bah, chacun évolue dans son imaginaire. C'est-à-dire que rien n'existe parfaitement, rien n'est exécuté parfaitement, mais chacun croit au spectacle qu'il est en train de voir. La performeuse y croit dans son imaginaire, le spectateur y croit dans son imaginaire, et on vit un spectacle imaginaire. Ça m'a vraiment touché. I wanna take it.